Bref, on reprend maintenant l'arbre de talent du paladin, cette fois en vindicte. Le build qu'on avait pris au niveau de l'arbre de classe, si je dis pas de bêtises, ça ressemblait à ça. Donc avec ça, on était bien normalement. On était tranquille. On avait. Non, je crois qu'on avait. On était allé chercher ça. Hein. On en a parlé juste avant, justement. On était allé chercher ces trucs-là. Et finalement, on s'est dit que peut-être que Parangon Fou avec Courroux Sanctifié, pour augmenter la durée du Courroux Vengeur, peut-être que c'était le meilleur plan, en vrai. Peut-être que c'était le plus intéressant de faire ça. Et du coup, on joue sur le Courroux Vengeur, on joue sur le fait que pendant le Courroux Vengeur, on a des stats en plus des dégâts qu'on va faire. Ouais, plus ou moins. Là, on pourrait prendre Vengeur Sacré, etc. C'est encore une fois sur les nodes ici. Faites pas une obsession sur les choix que j'ai faits. Ça pourrait être l'autre choix que ce serait la même. C'est juste d'avoir mis le point là qui compte vraiment. Donc, l'arbre vindicte. C'est le bordel. On a 2 milliards de trucs. On commence évidemment avec la lame de justice. On a la tempête divine. On va essayer pour l'instant de ne pas prendre la tempête divine et de se dire qu'on est contre un boss en pure mono-cible. Et on va voir si on arrive à ne pas la prendre. Je pense qu'on n'arrivera pas. Parce que les points qui sont ici, généralement, tu prends. Art de la guerre, vos auto-attaques ont 12% de chance de réinitialiser le cooldown de lame de justice. 2% de hâte ici, c'est. Le truc il est un peu tout seul. Ok. Vous saviez pas quoi mettre? Peut-être? Alors je prends, je veux dire, hein, forcément, mais. Ouais. Augmente les chances de critique de la lame de justice. La lame de justice génère un point de puissance sacré supplémentaire. La lame de justice a des coups critiques qui vont brûler la cible pour 20% des dégâts qui sont faits. Donc c'est lame de justice, lame de justice, lame de justice, lame de justice. Donc pour l'instant, je me dis qu'on prend. Shield of Vengeance, c'est le terme en anglais. Bouclier de vengeance. Bouclier du vengeur, je crois plutôt. Non, c'est bouclier vengeance. Ouais, mais ça a le même nom que le bouclier du paladin protection. Ça a aucun sens. Et ça, je sais que j'avais fait un rapport là-dessus en disant, mais c'est le même nom de sort, pourquoi vous faites ça? Donc du coup, maintenant, on a 7 points, il nous faut 10 points pour avancer. Ouais, ils ont vraiment mis le buff de 2% de hâte parce qu'ils avaient rien d'autre à foutre ici. Hein. Parce qu'en vrai, tu regardes ça, t'es là, t'es mais. Enfin, je sais pas. Ça, c'est quoi? Réduit le cooldown du jugement d'une seconde. Bah oui, j'aime bien. La frappe du croisé à deux charges, j'aime bien. Augmente les dégâts du jugement de 10%, j'aime bien. Là, pour l'instant, j'ai pas la sensation d'avoir le choix. Regardez, j'ai pris, 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 et j'ai pris. Ça, généralement, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout sur un arbre de talent quand vous avez juste tout pris. Surtout quand il y a des trucs là qui servent à rien. C'est juste 2% de hâte qui est posé là au milieu, en mode je savais pas quoi mettre. Un peu étrange comme point de départ. Un petit peu étrange. Après, si vous ne prenez pas les trucs qui sont à gauche ou à droite, je pense que vous allez les prendre en tant que paladin vindique, je veux dire, hein, c'est quand même des augmentations des. Ça paraît assez évident. Vous avez juste ces parties-là que vous loupez. Donc si on devait ne pas prendre ça, on louperait quoi? Les ennemis touchés par votre tempête divine prennent plus de dégâts de consécration. On a testé consécration, c'est abominable, donc je trouve ça nul. Votre consécration, non, 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 non. Un jugement réussi augmente votre vitesse de déplacement de 20% pendant 2 secondes. Voilà, donc pour l'instant, ça, franchement, bon, c'est oubliable. Encore une fois, ça, on va pas ne pas le prendre. Tu vas toujours le prendre. Mais ça, vous voyez, franchement, non. De l'autre côté, on a quoi? Tous les 3 jugements successifs, ça. Donc attends, on vous fait 3 jugements, et après ça, il y a 15% de chance d'augmenter les chances de critique, et. Non. Je sais plus lire. Tous les troisièmes jugements ont 15% de chance de critique supplémentaire et font des dégâts supplémentaires à la cible. Voilà. C'est pas un truc RNG ou autre, le bonus t'est donné de toute façon. Tous les 3 jugements successifs, ça augmente aussi vos dégâts du sacré faits à la cible de 4% pendant 8 secondes. C'est pas mal. Comment ça, je loupe le verdict qui stack? Ah oui, il est là. Ok, on prend juste ça du coup. J'allais oublier. Verdict Templier augmente les dégâts du Verdict Templier de 15%. Let's go. Hyper bien. D'autant plus qu'on a une génération de puissance sacrée qui est complètement dingue actuellement en Vindicte, donc ça va. Les 20% de mouvement de piste avec le jugement, je doute que ce soit oubliable. On peut le prendre autrement, hein. On peut le prendre via ça. Donc je dis qu'il est oubliable dans le sens où si on fait toute la direction comme ça, quoi. Mais on va voir si on se retrouve à le prendre ou pas. Moi, je pense qu'il y a plein de situations où tu peux t'en passer et plein d'autres où ouais, ce sera pas terrible.
ce sera pas terrible et t'en auras effectivement probablement besoin. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt vachement bien. Ensuite, œil pour œil ou vengeance du justicier, c'est de la merde ça par contre. Bon, ça on prendra jamais. Non, on prendra peut-être une fois de temps en temps sur un truc, mais là tel quel j'ai pas envie de prendre des trucs défensifs personnellement. J'ai pas envie du tout. L'art de la guerre, reset le cooldown de l'âme de justice 100% plus souvent et augmente ses dégâts de 25%. Je pense qu'on prend. La traînée de cendre, est-ce qu'on la prend en monocycle? Oui, mais de toute façon, on va la prendre, il y a la condamnation derrière. Donc là, on prend la traînée de cendre, on prend la condamnation, qui dure 8 secondes. Ils prennent des dégâts du sacré, plus 20% des dégâts que vous leur avez mis à ce moment-là. Et il y a la volonté de l'exécuteur en dessous. Le verdict du Templier étend la durée de votre condamnation d'une seconde. Et ça peut l'étendre jusqu'à 8 fois. Imaginez juste les dégâts de la condamnation comme ça. Vous balancez la condamnation et vous mettez la purée. Et là, ce que j'ai envie de faire immédiatement en prenant condamnation à mort et ça, c'est d'aller là et de switcher sur Vengeur Sacré. Je sais pas si c'est vraiment le must, mais pour vous montrer un peu les interactions potentielles entre les deux arbres, si vous avez toutes les trois condamnations à mort, en gros, vous aurez potentiellement Vengeur Sacré avec, qui va vous permettre à ce moment-là de garantir, quoi qu'il arrive, que vous étendez la durée à 8 secondes et que vous faites vraiment un burst monstrueux. Vous pourriez prendre Dessein Divin pour si vous avez beaucoup de hâte ou autre, machin, etc. Encore une fois, c'est que des chiffres, en fait. Mais typiquement, Vengeur Sacré, j'aime beaucoup en tank le Vengeur Sacré pour avoir vraiment des périodes où tu sais que t'es absolument invulnérable. Mais c'est assez intéressant d'avoir la dynamique potentielle de te dire, tu peux choisir soit d'avoir toutes les 3 minutes un monstrueux burst, soit régulièrement avoir des procs. C'est quand même très régulier hein, les procs de Dessein Divin, c'est pas mal du tout. Et tu as ton choix qui va aussi être incité, enfin qui va aussi être légèrement modifié par des points que tu peux prendre ailleurs ou autre. C'est vrai que si le Vengeur Sacré était à 2 minutes, je réfléchirais même pas. Ce serait immédiatement Vengeur Sacré quoi qu'il arrive. Là tel quel, il faut voir. Moi j'aime bien Vengeur Sacré après, hein. Je suis toujours très fanatique de ce sort. Mais bon, est-ce qu'il y a des sorts que j'ai pas regardés? Ça, on a le zèle ou le jugement qui a 25% de chance d'échanger sur un ennemi proche. Je sais pas si le zèle, vos 3 prochaines auto-attaques vont 30% plus vite, font des dégâts en plus, ce qui est assez cool pour faire proc la lame de justice. Oui. Ça, je m'en rends vraiment pas compte à leur zèle, si c'est bien. Lame de justice lancée avec l'art de la guerre explose la terre, ce qui lance consécration sur la cible, ça c'est de la merde. Parce que consécration, c'est... Je veux dire, en AOE, probablement, hein. Si t'es en AOE, ça peut être cool. En mono-cible, je suis pas convaincu que mettre un point de talent pour avoir une consécration qui proc, ça peut être bien. Peut-être qu'en vrai, c'est une erreur, et peut-être qu'en vrai, ça reste un hub de DPS d'avoir la consécration qui proc comme ça. Là, tel quel, je me dis que je prends pas parce que ça me paraît faible. Peut-être que je me gourre. Qu'il faudrait voir ce que les chiffres donneront concrètement. Ici, on a quoi? Puissance empyrène, c'est pour l'AOE. Et réduit le cooldown de la frappe du croisé de 15%, et ça lui donne 15% de chance de permettre à votre prochaine compétence de consommer un point de puissance sacrée en moins. Généralement, ça j'aime bien par contre. J'aime bien, parce que c'est vraiment vraiment un truc qui se spam, la frappe du croisé. Il y a moins de trous dans le cycle, du coup, en le prenant. Ce qui donnera moins envie de lancer consécration quand t'as plus rien à faire d'autre. Donc ça, j'ai tendance à me dire que c'est pas mal. Je suis à 16 points, donc j'ai encore 4 points à mettre ici. On a Exorcisme ici qui fait son retour, qui est un peu bizarre. Il a 20 secondes de cooldown, évidemment lançable à distance, hein, à 30 mètres de la cible, donc c'est quand même assez cool, parce qu'en Paladin Verdict, on manquait un petit peu de sort qui se lance vraiment loin, et ça met un dot sur la cible. Ça mettait pas de dot sur la cible avant, je crois, Exorcisme. Peut-être que ça... Je sais plus, mais je crois que non, ça mettait pas. Et le principe d'Exorcisme, en fait, c'est que si vous mettez une consécration et que vous balancez Exorcisme, ça va spread le dot sur la première cible, sur toutes les autres cibles proches. Ce qui est assez cool. Pour faire de la AOE soutenue ou autre, c'est intéressant. Ça génère pas de puissance sacrée par contre. Et quand vous faites de la AOE, typiquement en Paladin Verdict, la question c'est, pour moi la question à se poser c'est, est-ce que vous avez vraiment le temps d'utiliser deux sorts qui n'ont aucune génération de puissance sacrée, donc la consécration d'un côté, même si ça peut changer parce qu'il y a des sorts en plus, vous allez voir, et ensuite de lancer l'exorcisme. Est-ce que les dégâts que ça va faire, ça justifie de ne pas générer de puissance sacrée pendant qu'on fait tout ça? Et du coup, de rater potentiellement, à chaque utilisation, de rater potentiellement un verdict, enfin une tempête divine ou quelque chose comme ça. Encore une fois, question de chiffres. J'aimerais bien que ça marche, parce que j'aime beaucoup l'idée. Tu poses une consécration, tu balances exorcisme, ça fait des sorts différents en plus à ajouter à la rota. Ça peut être cool, en vrai. Ça peut être cool.
Ça fait des points à mettre par contre. Hein. Et le truc qui est intéressant justement, c'est les talents ici. Sanctification, consécration vous donne périodiquement un point de puissance sacrée. Ou alors vous gagnez un point de puissance sacrée toutes les 10 secondes en combat. J'imagine qu'ici ce qui se passe, c'est que vous avez le premier, donc puissance intérieure, qui est 0 RNG complètement standard. Et le deuxième par contre qui varie en fonction du nombre de cibles. C'est-à-dire que si vous avez 10 cibles devant vous, la consécration va toucher 10 cibles, et les 10 fois, elle va avoir une chance de vous donner un point de puissance sacré. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Ce serait pas super intéressant, je trouve, autrement. Donc, en AOE, c'est génial. En mono-cible, on prendrait pas. Mais en AOE, franchement, je pense que tu prends sanctification plus ça. Moi, j'ai essayé ça en donjon. C'était très clunky. Hein. J'avais un peu la même sensation en paladin vindicte avec consécration et exorcisme que celle que j'avais en paladin tank avec le bouclier du vengeur qui génère plus de puissance sacrée et du coup qui est en conflit avec le reste de la rotation. J'avais vraiment cette espèce de réaction de j'ai deux gameplays possibles là mais ils vont un peu l'un contre l'autre et du coup il y a quelque chose qui est pas super élégant, qui est pas super propre et c'est un poil dommage. Mais l'idée est bien, il faut qu'ils poussent sur l'idée, je pense pas qu'il faut qu'ils enlèvent ça, il faut qu'ils poussent un petit peu l'idée et ça peut être vraiment cool. On a le l'ombre de la loi qui est là, hein. Encore une fois, on en a parlé tout à l'heure. On a 4 points à mettre, donc je pense qu'on va prendre déjà le feu de la justice ici, que j'aime beaucoup. Ça, c'est du défensif, donc on va pas prendre. On pourrait prendre les deux qui sont là pour améliorer le jugement. Tous les 3 jugements, on fait un truc en plus. Je pense qu'on va prendre 4% de dégâts en plus pendant 8 secondes, tous les 3 jugements, et on fait beaucoup de jugements. C'est génial. Ici, le jugement génère de la puissance sacrée en plus. Là, le jugement fait des dégâts en plus. Vous avez les debuffs qui sont mis via le jugement. Génération, 1 point de puissance sacrée. Là, je crois que ça veut dire qu'il en génère 2, du coup. C'est pas très clair, ça, parce que de base, en... Attendez, je regarde juste en jeu. Attendez, je fais juste un truc pour vérifier ce que je dis. Peut-être que le jugement ne génère pas de puissance sacrée de base, même en... Oui, ça génère rien. Ok. Donc ça c'est un point de puissance sacrée généré par le jugement parce que ça n'en génère pas pour personne. Et avec ça c'est un deuxième pendant les ailes. Ok, on est bon. Mais oui c'était pas clair là-dessus Adari parce que de base on parlait d'un vindicte, le jugement il générait un point de puissance sacrée. Et dans ça il l'a enlevé alors. Il l'a enlevé. Faut essayer de pas partir sur un paladin de 9 points où t'as beaucoup de CD à claquer avant de taper. Je crois que ça va un peu mieux de ce côté là. Mais c'est vrai que ça c'était le truc particulier en paladin vindicte, c'est la rotation et le nombre de trucs à mettre et tout, c'est... ouais. Mais donc là j'ai le truc devant les... vous le voyez peut-être là sur le... vite fait, là en bas. C'est... vous jugez la cible, ça lui inflige des points de dégâts et ça ne génère rien du tout. Parce que justement là dans les talents j'ai enlevé le truc pour être sûr que ça marche comme ça. Donc là, il nous reste un point à mettre. La tempête divine projette une vague de lumière qui... fait 20% des dégâts de la tempête divine, donc c'est 20% de dégâts en plus pour la tempête divine, en plus de la projection. Mais bien sûr, ceux qui ne se prennent que la projection, ils prennent donc 20% de ça. On va pas prendre. Il y a puissance empyrène qui est... il est où puissance empyrène? Il est juste au-dessus, je crois. Hein. Ouais. On a AOE puissance empyrène, c'est génial. Et du coup, vous prenez ça directement. Dire les paladins vindictes en AOE, c'est du bonheur, hein. Il faut être honnête, c'est du pur bonheur. La traînée de cendre brûle la cible pour 10% de dégâts en plus, ou alors ici... donc on a Ashes to Dust, c'est-à-dire l'art de la guerre à 35% de chance au lieu de reset le cooldown de l'âme de justice, de reset le cooldown de la traînée de cendre. Et on a aussi Chemin de ruine. On fait des dégâts radiants à tous les ennemis qui sont à 2 mètres en 1, et on réduit leur utilisation de 50%, dégâts réduits, etc. C'est quoi la différence entre ça et ça? Réduit leur vitesse de déplacement. Ça stun les démons et les morts vivants. 15 secondes de cooldown. Et consommateur, 3 points de puissance sacrée. Ah, c'est un consommateur, le chemin de ruine. Ok, j'étais en train de me dire, mais... ici. Ça veut dire que du coup, si on prend ça en AOE, on se retrouve toutes les 15 secondes à mettre ça, le reste du temps à faire des tempêtes divines. 15 secondes de recharge, tu le mets souvent, hein. Et forcément, si tu prends ça, tu vas prendre évidemment ça hein, derrière pour augmenter les dégâts. En mono-cible, je suis pas super convaincu qu'on s'amuse avec ça, hein, par contre, en paladin vindicte. Et que l'art de la guerre ait 35% de chance de reset le cooldown de ça plutôt que de l'âme de justice, ça peut être bien en vrai, hein, parce que c'est un point de puissance sacrée en plus qui est généré. La lame de justice génère 2, ça génère 3.
Est-ce que vous mettriez un point là-dedans, les paladins verdicts, en mono cible? Pour avoir un petit peu plus de génération de puissance sacrée? Et je crois que ça fait quand même pas mal de dégâts, hein, ça. 346%. Ouais, mais les chiffres, on sait pas. Est-ce que concrètement, sur le live actuellement, la traînée de cendre fait plus de dégâts qu'une lame de justice? Parce que là, j'ai beaucoup de buffs sur la lame de justice quand même, hein, donc. Ça fait quand même plus de dégâts. Peut-être qu'on le prend alors. Là, par contre, il y a un truc qu'il faut qu'on check avant d'aller sur la suite. On n'a pas ça. On n'a pas ça. On n'a pas ça, on n'a pas ça. Ça veut dire que on n'a rien pour descendre en fait là. Donc je pense que là, il faut qu'on prenne une décision déjà maintenant avant de prendre des points sur la suite. Donc je vais enlever encore ça et ça. Je vais enlever tous les points où je suis pas sûr à 100% qu'on prend. Parce qu'il faut qu'on prenne une décision. Ça, j'aime pas. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans le dernier carré? Puis après, on verra un petit peu comment on prend les talents. Donc, on a la rétorsion finale. On a le glas divin. On a croisade et le cours vengeur amélioré. Qu'on va forcément aller prendre. On est sur un build où c'est full cours vengeur. Et on a le verdict final. Donc le glas, on va oublier. En mono cible. Je veux dire, le glas, il est bien, encore une fois. Hein. C'est un sort qui est cool, j'adore que le sort soit revenu, machin et tout ça. Mais je pense que c'est un truc qui a quand même moins d'application en mono cible. Ça en a, hein, c'est vachement fort, potentiellement. D'avoir des jugements qui partent dans tous les sens pendant ton burst, c'est génial. Et on l'a vu, d'ailleurs, sur Shadowlands, que le paladin vindicte Kyrian en mono cible, du coup, ben, c'est quand même le build le plus fort. Tu t'attendrais à ce que ce soit pas le cas, parce que tu te dis que c'est plus de la OE, mais non, c'est très bien. Mais là, tel quel, je me dis que ce sera peut-être un truc qui sera plus équilibré ou taillé pour être fort en AOE. C'est 3 jugements en plus, une fois qu'on a la résonance. Donc toutes les spés du paladin ont ça. C'est bizarre que ce soit pas dans l'arbre de classe, d'ailleurs, le glas, puisqu'il est dans tous les arbres de spés. Mais why not? Donc moi, je pense qu'on va partir sur croisade. Alors, attendez. Parce que croisade, le plan de croisade, c'est quoi? C'est que c'est plus long, hein. Croisade, c'est 25 secondes. Comment c'est possible? Attendez. On a croisade plus le courroux sanctifié. Ça veut dire que du coup, croisade c'est 25 secondes, avec courroux sanctifié c'est 25% de plus. Donc, on n'a pas le buff de crit, hein. Le buff de crit il est ici. Vous avez croisade d'un côté, donc c'est 3% de HAD pour 25 secondes. Ah oui, mais ça augmente plus les dégâts du coup de... Si, ça augmente les dégâts puisqu'on a ça. Le courroux est bizarre, c'est un peu comme le Druidferal avait un truc comme ça où tu prenais le berserk et tu mixais des berserks ensemble, c'est un peu l'idée, hein, je crois. Parce que là du coup, la puissance, le courroux vengeur amélioré, c'est 20% de dégâts en plus. Ah oui, non, 3% de dégâts par stack, c'est marqué dessus, j'ai rien dit, je suis aveugle. Donc il y a l'interaction quand même, donc c'est nickel. Et puis la puissance de l'Iadrin, c'est quoi? Pendant que courroux vengeur est actif, vous gagnez un point de puissance sacrée toutes les 5 secondes. Ça, on en avait parlé là tout à l'heure. C'est nul. Moi, j'ai l'impression que c'est nul. Je sais pas, peut-être qu'en vrai, avec l'application de tous les trucs qu'on a mis par-dessus, peut-être que ce 1 point de puissance sacrée ferait vraiment la différence. Mais tel quel, j'ai l'impression que la génération est tellement bonne que 1 point toutes les 5 secondes, ça veut dire qu'en gros, c'est 5 à 6 points de puissance sacrée qui seront générés comme ça. Imaginez que vous montez à 5 points de puissance sacrée et que le truc est généré par-dessus dans le vide. Moi, j'aime pas trop. Moi, je prendrais pas ça. Je piche pas pourquoi les deux sont pas inversés, parce que j'aurais envie de prendre ça, mais pas celui-là. Et est-ce qu'on prendrait le verdict final, du coup? Parce qu'on est beaucoup sur du spam de verdict le plus vite possible, avec ça... Et tout le reste du bordel, on le serait encore plus, encore une fois, avec Vengeur Sacré. Mais bon, Dessin Divin, c'est bien. Donc, est-ce qu'on va chercher ces deux-là? Du coup, si on va chercher ces deux-là, ça veut dire qu'on va obligatoirement prendre ce truc-là. Ça, c'est quoi, ça? Ouh, bah oui, non, mais regardez ce truc. Regardez ce truc. Marteau du Kourou a 2 charges en plus et augmente les dégâts du Sacré fait à la cible de 4% pendant 10 secondes. Stack 3 fois! Évidemment qu'on va prendre ça. Ouais, c'est pas copié sur les sims, c'est pour ça que je vous le lis.
Des fois, c'est pas coupé, mais ça reste plus propre quand même de vous montrer ça comme ça. Ça veut dire qu'en gros, si on doit aller ici, il faut qu'on prenne un des trucs qui est là. C'est un peu de la merde. Quoique celui-là peut être cool. En gros, on a le cooldown de la... Le cooldown de l'impôt des mains qui est réduit de 60% basé sur la vie manquante de la cible. Et les soins du modeler qui sont augmentés jusqu'à 100% basés sur la vie en moins de la cible. Et sinon, il y a le Selfless Healer qui permet simplement au prochain Flash Heal de faire 100% dégâts en plus, je crois, au bout d'un moment. Donc ça, je pense qu'on prend Healing Hands, il était assez cool comme truc. Et on est prêt à descendre. Donc après, on prendra ça. Dépenser de la puissance sacrée vous donne de la hâte par finisher. Encore une fois, on veut enchaîner, on veut enchaîner, on veut enchaîner. Donc ça, c'est fantastique. On ira chercher le verdict final avec ça, qui donne des charges en plus au courroux et qui augmente les dégâts du sacré. Fait là-dessus et ça se stack et c'est monstrueux, mais c'est de la folie! Et ensuite on ira chercher croisade. Et après on voit les points qu'on a en plus. Donc maintenant, à partir du point où on est là, on a deux points bonus qu'on peut mettre à part, complètement où on veut. Alors on les met pas au début puisqu'on a de toute façon tout pris au début, ce qui est très con, mais bon bref, on a tout pris au début. Ça on va pas prendre. On pourrait aller chercher le jugement qui nous donne de la vitesse en plus. On pourrait prendre ça. Ça c'est une augmentation pure de dégâts, donc ça je pense que je vais le prendre. Ah mais attendez, on a ça. Qu'est-ce qui est plus intéressant? 10% de dégâts sur 6 secondes par rapport à la traînée de cendres. Sachant qu'on n'a pas pris le truc qui permet de la faire proc plus. Ouais, on n'a pas pris le truc. Donc c'est toutes les 45 secondes. Toutes les 45 secondes on fait des dégâts en plus. Ou alors tous les 3 jugements. On augmente nos dégâts à la cible. Non, 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 non. Ça c'est mieux. Je pense que ça... Tous les trois, donc là, encore une fois, vous voyez pas le descriptif. Hein. Tous les trois jugements sur la cible, vous avez un buff qui augmente vos dégâts faits à la cible de 4% pendant 8 secondes. Et j'hésitais entre prendre ça et prendre la traînée de cendres fait 10% de dégâts en plus. En ce moment. Je pense que ce sera plus intéressant. Parce qu'encore une fois, les jugements, on en fait beaucoup. Question pose du programme du paladin, je viens d'arriver. C'est très intéressant. Il y a des problèmes. En protection et en vindicte, il y a des problèmes dans les deux. C'est-à-dire qu'ils essayent de pousser un gameplay qui entre en collision en fait avec le gameplay de base et le problème n'est pas réglé. En Vindict, ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient de nous faire jouer à la consécration en créant des interactions dessus. Dans l'arbre de classe, on a la consécration qui soigne les gens autour, on a des dégâts augmentés, on a la consécration qui peut exploser de temps en temps et faire des trucs bonus. Dans l'arbre de spé, on a ça, la lame de justice que tu utilises avec l'art de la guerre qui explose le sol et qui lance consécration sur la cible, ce qui peut être intéressant. Ça lance sa propre version de consécration. Donc tu peux avoir deux consécrations qui sont mises en même temps. Et tu as l'exorcisme qui, quand tu lances sous consécration, il y a un dot qui se spread sur les ennemis. Avec consécration qui te génère de la puissance sacrée. C'est intéressant, mais ça va à l'encontre du gameplay de base, en fait, un petit peu, d'appuyer sur ces touches-là, parce que tu es en train de spammer une AOE de port. Pour ceux qui jouent Paladin Vindict, c'est le casino en AOE, hein. C'est le casino total, c'est tempête divine, tempête divine, tempête divine, vous mettez une sauce, mais c'est n'importe quoi. Et je trouve que vous n'avez pas vraiment le temps là-dedans, ou alors c'est compliqué. Peut-être que ça se fait et que c'est bien, encore une fois, au niveau des chiffres, mais c'est pas très agréable à faire, je trouve, d'aller balancer une consécration au milieu du bordel, dès que les ennemis sortent de la consécration, ben t'es niqué, et voilà. Donc ça c'est un peu le problème là-dessus, par rapport à la consécre. Moi j'ai vraiment l'impression que la consécration, c'est un sort qui devrait juste... disparaître ou alors devenir un cooldown. J'aime pas du tout le fait qu'ils essaient de forcer la consécration alors que c'est probablement un des sorts qui est les plus détestés au niveau du kit. Pour les paladins tank parce qu'ils doivent rester dedans, l'arcaster dès qu'ils bougent. Pour les paladins vindictes parce que du coup c'est un vieux filler que tu mets quand t'as rien d'autre à mettre la plupart du temps. En AOE c'est peut-être plus qu'un filler hein, j'imagine, mais c'est un sort chiant, la portée est toute petite, dès que les mobs sortent du truc t'es niqué et c'est un des sorts les plus frustrants du kit en fait en vrai. Et j'aime pas le fait qu'ils veulent nous forcer, qu'ils sont là en mode, vous savez quoi, le sort que vous détestez, on va tout mettre dessus. Le truc, c'est que je vais pas moins le détester, le sort. Je vais peut-être plus jouer avec autre, mais je pense qu'il va falloir beaucoup plus de boulot que ça sur consécration pour que moi, je me dise, trop bien consécration. C'est pour ça que j'adorerais personnellement que la consécration suive le chemin de la morée des compos, qui soit un truc qu'on utilise, qu'on peut lancer la moitié du temps. Imaginez, vous mettez un cooldown de 30 secondes ou de 20 secondes à la consécration avec une durée qui fait la moitié de ça, ça donne un uptime un peu plus bas, mais avec un effet beaucoup plus senti et beaucoup plus fort pendant que le truc est posé, ce serait peut-être plus intéressant à jouer. Mais c'est surtout en tank où c'est vraiment la merde, en tank c'est insupportable.
Là, la consécration, c'est... Ugh. Full consécration avec la partie gauche de l'arbre général, ça peut être pas mal. Peut-être, hein. Ouais. J'ai essayé un petit peu en donjon, évidemment, vu que je vois pas les logs, les chiffres, etc., je sais pas si c'est fort. Mais je pense que tu peux effectivement prétendre, en tout cas en AOE, avec Dragonflight, que tu pourras te faire des builds qui seront très très forts avec la consécre. En paladin, du coup, bah, tu devras la lancer et jouer un petit peu avec sur le build avec pas mal de choses. Et en tank, la consécration est naturelle, donc c'est 100% bonus de toute façon d'avoir des buffs dessus. Et en heal, bah, pour l'instant, on sait pas. En heal, forcément, d'avoir la consécration qui soigne les gens, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc chaque paladin va avoir une interaction un peu différente avec ça. Mais il faudrait voir là-dessus. Je me réjouis en tout cas de voir un peu le feedback que les gens vont donner et les modifications que Blizzard va ajouter. Parce qu'il y a des idées qui sont cool, mais voilà. Voilà, donc je t'ai résumé un petit peu la situation au niveau paladin. Globalement, c'est quand même positif, hein, je trouve. J'aime beaucoup les idées qui sont. Du coup, on a dit qu'on allait chercher ça. Dépenser de la puissance sacrée, ça vous donne 1% de hâte par finisher, donc 3% de hâte, et ça se stack 3 fois. Donc c'est 9% de hâte en plus. Ou c'est que 3%? 500 ms de cooldown. vous le voyez là, c'est énorme. Ensuite, le marteau du Kourou a une charge en plus. Alors là, ça met qu'une seule charge en plus. Et ça augmente les dégâts du sacré de 4% au lieu de ça. Est-ce que concrètement, c'est pas juste un bug? Je vais essayer de voir sur l'arbre en vrai. Alors, sur le live, là, ça me dit « Marteau de Kourou a 4 charges en plus et augmente les dégâts de 4%. » Je pense que c'est un bug. Je pense que c'est Marteau de Kourou a 2 charges en plus. A priori. Il faudrait voir. Et Anata, on va galérer pour trouver les bons talents au début. Je pense pas qu'on va trop galérer. Parce que, encore une fois, World of Warcraft, c'est un des jeux les plus optimisés au monde. Donc, les pros vont très rapidement trouver des builds qui marchent pour certaines situations, etc. Et les gens vont beaucoup se retrouver forcément à copier. Mais l'exploration, en tout cas pendant les tests ou au départ comme ça, c'est génial. C'est génial. Donc là, on prend le verdict final. Le verdict final, encore une fois, c'est fantastique. Une frappe dévastatrice qui fait des dégâts du sacré pur. 15% de chance d'activer Marteau de Kourou et de réinitialiser son cooldown. Et forcément, Marteau de Kourou, bah, Marteau de Kourou pendant le parangon fou, ça fait, ça augmente la durée du Kourou Vengeur. Et de base, ça fait des dégâts en plus. Donc l'interaction entre verdict final, parangon fou, tous les talents qui sont liés avec le Kourou Vengeur, la condamnation à mort qu'on va poser par-dessus et qu'on va pouvoir étendre encore plus. Oh! Ça, s'il y a un truc que Blizzard sait, c'est que le paladin, il aime bien faire du burst. Ensuite, on va aller prendre Croisade ici. Puisque du coup, là, l'idée, en fait, c'est juste que Croisade dure... Alors, le Kourou Vengeur, il dure 20 secondes. Croisade dure 25 secondes. Puisqu'on veut faire fonctionner un build où on veut que le Kourou soit le plus long possible et faire la séquence de dégâts la plus énorme, du coup, bah, Croisade est un bon choix. Et on va pas aller prendre ça, par contre. La furie de Liadrin, j'en ai rien à foutre de sa furie. Elle peut se la garder. Ça ne m'intéresse pas. Un point de puissance sacrée toutes les 5 secondes, je suis pas convaincu que j'ai envie de prendre ça. Du coup, on se retrouve avec 4 points à mettre. C'est-à-dire qu'on peut faire 1, 2... On pourrait aller prendre le glas divin, en fait, si on veut. Moi, je serais plus chaud pour la rétorsion, en fait. Mais est-ce qu'on peut prendre la rétorsion? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut pas aller prendre la rétorsion. It is not possible. It is strictly shit. Parce qu'on n'a pas mis de point ici. Parce qu'on a mis un point... on a mis un point là pour descendre ici. Hein, pour prendre les deux trucs qui sont là. Oui. Mais on n'a pas mis de point là pour descendre. Et là, c'est 2 plus 2. Là, c'était 2 plus 1, 2 plus 1, etc. On va quand même voir ce que ça fait, ça. Jugement vous donne commandement vertueux pendant 5 secondes, ce qui fait que verdict du templier, frappe du croisé, lame de justice et les auto-attaques font des dégâts en plus. Ok, donc ça c'est un truc qu'on avait sur Shadowlands. Ça aussi c'est un truc qu'on avait sur Shadowlands. Verdict du templier a 15% de chance de taper une deuxième fois pour 30% de ses dégâts. Je pense qu'on va prendre ça. Enlever le point à droite. Là. Normalement pas. Là, je peux enlever de points nulle part. Maintenant que j'ai enlevé ces trucs-là, là, on a exactement le même nombre de points, là, en haut. Ah, mais ce que tu voulais dire, c'était de faire ça et ça. Peut-être. L'aura qui augmente la portée des sorts. C'est ce truc-là, du coup, saut du templier. C'est super intéressant.
Je sais pas exactement si on va beaucoup s'en servir ou autre, mais j'aime beaucoup l'idée de te foutre en combat en aura du croisé et d'avoir une portée supplémentaire sur tes sorts. C'est vraiment cool. Et ça, c'est aussi mis en avant par le fait que je trouve qu'Aura de Vindicte est un des sorts les plus à chier qui existent au niveau du paladin, que j'aimerais bien que ce truc-là y dégage. Chasseur, j'ai déjà fait. Alors, je connais pas forcément trop chasseur, donc c'était pas, peut-être pas incroyable. Mais si tu vas sur ma chaîne YouTube, Anatar, tu trouveras le chasseur. Donc, mettons que j'essaye de mettre un point ici. Alors bon, ce truc-là, voilà, on s'en fout, c'est pour ralentir la cible. Ouais. Là, on n'a pas pris ça, sinon j'aurais pris ça et j'aurais pris le jugement qui donne de la portée. Donc là, c'est un peu chiant de pas être allé là-bas. Mais c'est quand même des augmentations de dégâts ici. Donc après, ça fait chier de perdre ça. Hein. C'est 4% de dégâts en plus à la cible, tous les 3 jugements. Ça fait mal au cul de le perdre. Mais si on fait ça, mettons, est-ce qu'on arrive tout à coup? Je pense qu'on n'y arrivera pas, hein, mais est-ce qu'on arrive à faire quelque chose de mieux? On peut pas. Du coup, chers amis, je pense très sincèrement qu'avec ce... Alors, on pourrait enlever Croisade. On pourrait enlever Croisade, hein, et prendre la rétorsion. Boum, boum, et là, on est bon. Je vous avoue que je me rends pas compte, entre Croisade et rétorsion finale, de base, lequel est le plus intéressant. J'ai pas tellement joué Paladin Vindicte sur Shadowlands, et la rétorsion finale est arrivée plus ou moins là. C'est fort, hein, la rétorsion finale. C'est vraiment fort. Faites des dégâts aux ennemis dans la zone, ils prennent 50% de dégâts en plus de vos consommateurs pendant 8 secondes. C'est... Ouais. Je pense qu'on prend ça, en fait, non? Je pense qu'on prend ça, en vrai. J'étais en mode, on augmente la durée du courroux vengeur, mais le courroux vengeur, là, il va être à... donc, il a 20 secondes. Il va être à 25 secondes de base. Sachant que notre burst avec la condamnation à mort, qui sera systématiquement là quand on utilise les ailes, hein, tous nos bursts sont des bursts condamnation à mort. 16 secondes de condamnation à mort. Pendant les 16 secondes, il faut faire le plus de dégâts possible parce que ces dégâts vont être répercutés sur la condamnation. Donc, si on joue avec la rétorsion finale par-dessus, on va faire des dégâts de psychopathe pendant les 8 secondes là et on va tout niquer. Non, c'est mieux. C'est mieux, hein. La condam a une synergie incroyable avec la rétorsion. Oui. C'est là où vous voyez que j'étais pas tout à fait à jour sur le paladin vindicte de Shadowlands parce qu'on a beaucoup ce concept-là, justement. Ouais, je pense que comme ça, en vrai... On n'est pas dégueu, en fait. On a rétorsion finale, verdict final, la condamnation par-dessus, on a tout le courroux vengeur là qui est augmenté, on a 12% de maîtrise pendant courroux vengeur. C'est... Tu gagnes aussi Séraphin pendant 4 secondes, tu dis via l'aura de vindicte? Avec ça? C'est un nouveau truc sur l'aura de vindicte, justement. Quand quelqu'un dans le groupe prend 50% de sa vie en dégâts, vous gagnez Séraphin pendant 6 secondes. Mais il y a un truc de Séraphin pendant 4 secondes encore que j'ai pas vu ou... Ah, avec l'art de la guerre. Oui. Parce qu'il y a ça. Bien sûr. Donc si t'as un proc art de la guerre pendant le truc, t'as en plus le Séraphin par-dessus. Donc ouais, c'est méga burst en fait. C'est méga burst. J'ai pris le talon, j'ai même pas regardé. Désolé. Complètement oublié. Non, je pense que là, on est golden en fait avec ça. Croisade, c'est toujours cool que ce soit là. Ça va quand même prendre son importance, je pense, en AOE. Ça, c'est vraiment nul, par contre. Il faut qu'il fasse quelque chose avec ça. Quitte à ce qu'il pousse Croisade et l'amélioration du courroux un peu plus bas, ça me paraît vraiment mou du genou, par contre. Mais bon. Le reste, franchement, je suis assez épaté par l'arbre vindicte. Pour tout claquer en même temps, tu ferais une macro. Je pense que c'est le but, ouais. Typiquement, en vindicte. Les Kyrian en Vindicte actuellement ont tout un setup en termes de macro pour pas avoir besoin de trop te prendre la tête parce qu'il y a une séquence vraiment à faire au niveau d'utilisation des trucs avec le glas, avec la condamnation, avec les ailes, etc. pour vraiment mettre le plus de sauce comme ça. Et ouais, non, franchement, c'est... Je suis très content, vraiment, vraiment très content de voir ce qui est possible de faire avec l'arbre. Et c'est cool parce qu'au début j'étais pas parti sur ça, justement. Au début j'étais parti sur aller chercher ça, voir comment on fait. On se rend compte que ça coince un peu. Vous me dites, ouais, enlève le point qui est là, donc là tu perds un proc tous les 3 jugements de 4% de dégâts pendant 8 secondes, donc c'est quand même assez massif. Mais ça te permet, en mettant un point ici, d'aller chercher jusqu'à la rétorsion. T'enlèves Croisade, tant pis, c'est con parce que Croisade est juste là. Il est devant notre gueule, Croisade, il est juste là, mais on n'a pas les points. 2, 4, 5, ça fait les 10 points qu'on met en bas. Et... Waouh! Ok. C'est intéressant. Sacrément intéressant. Ça, par contre, c'est de la merde. Je sais pas pourquoi on a un talent ici, un truc random qui nous donne 2% de hâte. C'est...
Ouais. Et l'autre défaut, c'est que si vous regardez le début de l'arbre, on en parlait avant, bah tu prends tout au début de l'arbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça veut dire qu'en gros, sur 10 points que tu dois prendre au début, bah, y a 11 points à choix. Tu devrais avoir beaucoup plus de choix que ça au début. Je trouve ça complètement con de te retrouver au final, bah tu t'en fous. L'arbre de talent n'a aucune importance sur le premier tiers. Parce que bah... Ah oui, non, c'est 8. Non, c'est 8, t'as raison. 5, 6, 7, 8. Donc il y a 3 points en plus, ouais. Non, t'as raison. Après, on doit aller jusque-là de toute façon pour aller chercher le verdict. Ça, on y va de toute façon. Et ça, on y va de toute façon aussi. Donc ouais, c'est 8, pas 10. Il y a quand même la dynamique de choix qui est un peu absente, je trouve, au départ. Je sais pas comment il pourrait faire. Il y a probablement des trucs qui sont par ici. Typiquement ça, le long bras de la loi. Je pense honnêtement que c'est pas cher payé de donner un petit peu de mobilité au paladin vindicte. Ça reste un paladin vindicte dans tous les cas. Moi, j'apprécierais que ce truc-là, il soit là, par exemple. Qu'il y ait un truc de mobilité qui soit un petit peu plus haut. Je trouverais ça quand même assez cool. Parce que là, c'est que de l'output, en fait, hein. Lame de justice, tempête divine, art de la guerre, plus de dégâts, plus de dégâts. Ça, c'est de la génération, donc c'est plus de dégâts. Les coups critiques qui font saigner la cible, c'est des dégâts. Critique, c'est des dégâts. Ça, c'est pas des dégâts, mais t'as pas le choix de le prendre pour prendre la suite. Les dégâts du jugement. Donc ouais, c'est là, c'est que des augmentations de dégâts uniquement là. Puis du coup, bah tu prends tout, puis tu réfléchis pas, quoi. Le talent Wake of Ash à côté de la condamnation, il est très intéressant. Alors il y a celui-là, qui augmente les dégâts de la frappe de 10%. Enfin, qui fait un saignement de 10% sur 6 secondes. Qui est bien, hein. Ça, j'aimerais bien le prendre. Autant que ça, j'aimerais bien le prendre. Ce truc qui augmente tous les 3 jugements. Je vous le lis encore une fois parce que vous n'avez pas le truc qui apparaît à l'écran. Tous les 3 jugements qui met un debuff sur la cible pendant 8 secondes qui fait que vous lui faites 4% de dégâts en plus. Du sacré. Vachement bien. Donc ça, j'aimerais bien prendre ces deux-là. Mais c'est vrai qu'avec le build où on va là, c'est compliqué. Donc, on doit faire des choix. Ici, par contre, tu as chemin de ruine qui transforme complètement la traînée de cendres. Ça devient un consommateur de puissance sacrée avec 15 secondes de recharge qui, bah, du coup, fait de l'AOE, machin, etc. sur les ennemis, qui fait la même chose que le sort de base, sauf que du coup, bah, tu peux l'utiliser très très souvent. Et c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup le concept. Alors, je sais pas si ça marchera encore une fois vraiment bien, mais j'aime beaucoup le concept au final de te retrouver avec une traînée de cendres qui consomme ta puissance sacrée, que tu peux utiliser très régulièrement. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut retirer le 2% de hâte pour prendre le saignement? Ouais, peut-être qu'on peut en fait. Vous avez raison. Tac. Excellente suggestion. Est-ce qu'on peut retirer autre chose ici? Je pense que non, par contre. On pourrait retirer le cooldown de jugement d'une seconde, mais on va pas le faire, évidemment. On n'est pas fou. On pourrait enlever 5% de chance de critique à la lame de justice pour avoir un proc de temps en temps qui fait des dégâts en plus. Encore une fois, là, c'est que des questions de maths, hein. C'est-à-dire, au niveau des maths, est-ce que 5% de critique sur la lame de justice quand tu cimes le perso, ça vaut ou ça vaut pas le fait que tous les 3 jugements, t'as 4% de dégâts en plus pendant 8 secondes sur la cible. Là, c'est juste des maths. Mais effectivement, c'est une bonne suggestion de virer ce truc-là et d'aller mettre ça un petit peu plus bas pour prendre, par exemple, ce truc-là. Ou alors ce truc-là. À chaque fois que je fais ça fout la merde. Eh, c'est pas con, c'est pas con. C'est vraiment bien. C'est quoi cet arbre de talent OMG, je comprends rien. Tu n'es pas à jour du coup sur les nouveautés, Dragonflight, la prochaine extension et tout ça, c'est les arbres de talent qu'on va avoir. Et là, c'est le paladin vindicte. Après, encore une fois, comme tu dis, Doko, je voulais en venir justement pour terminer la présentation. Les arbres vont changer. Et les arbres vont beaucoup changer. Là, ils nous ont donné le truc, ils nous ont littéralement dit, ok, alors Paladin, on n'a rien pour vous. Par contre, on vous donne les arbres Paladin Tank et Paladin Vindic le plus tôt possible parce qu'on a besoin de feedback. Traduction, on essaye des trucs. Si ça fonctionne pas, on change. Voilà. Et ils ont fait de très bons changements. Ils ont annoncé que pour le prêtre, l'arbre de talent allait changer par rapport au feedback. Le chasseur, ils avaient déjà annoncé des trucs. Le DK, ils ont changé beaucoup de choses au niveau de l'arbre. Et honnêtement, je pense que plus on va avoir d'arbres qui vont apparaître, plus ils vont être remaniés et tout, plus on va se dire c'est vraiment vraiment cool, c'est la classe. J'espère en tout cas. J'espère vraiment. Retirer 2% de hâte, c'est énorme quand même. C'est pas mal de retirer 2% de hâte. Mais les chances de burst que tu peux avoir avec les autres trucs sont quand même assez cool parce que typiquement c'est des compétences que tu utiliseras pendant le cours Ranger. Donc
C'est comme ça qu'il faut le voir, je pense, c'est de se dire, pendant mon cours au Vengeur, qu'est-ce que je veux, avoir juste 2% de hâte ou avoir le proc derrière qui va me faire des dégâts. Mais je pense que tu pourrais effectivement te dire au début, j'ai pas de hâte, je suis à poil et c'est la merde, je prends ça. Et forcément, 2% de hâte, ça n'a pas la même valeur au début ou après. J'ai pas le zèle, mais j'aime pas le zèle. Je déteste zèle. J'aime pas du tout ce machin, en fait. Encore une fois, est-ce que les chiffres seront justifiés, machin, etc. Mais là, tel quel, c'est zèle, ça me fait, moi, ça me fait chier, ce truc. J'aime bien le zèle qui faisait que ta frappe du croisé partait en AOE. Mais oui, je sais, ça fait plus d'auto-attaque, donc plus de proc, art de la guerre, etc., etc. Est-ce que j'ai pris tous les trucs pour art de la guerre, d'ailleurs? Ouais, j'ai pris ça. Techniquement, on pourrait faire ça, éventuellement. Je me rends pas forcément compte à quel point ce serait bien, parce que je déteste Zell, perso. Jugement qui fait que tes 3 prochaines auto-attaques, elles tapent plus vite. Je trouve pas très intéressant. Moi, ça me gonfle un peu. Mais il y a quoi d'autre? Boundless Judgment, c'est quoi? Votre jugement a 25% de chance de partir sur un ennemi proche. C'est nul! C'est pas si nul que ça en AOE, parce que du coup, les deux cibles sont debuff avec ça. Mais un point de talent pour 25% de chance de chain sur un ennemi, je trouve ça un peu dur quand même. Je trouve ça un petit peu dur. Mais oui, on pourrait aussi prendre Zell. Effectivement, ça pourrait être une bonne chose. Bref, l'arbre de talent est super intéressant. Encore une fois, ça va probablement changer, il demande du feedback dessus. Mais je trouve que la première version est déjà hyper stimulante en tant que paladin à regarder, essayer de fignoler les trucs, de faire un petit peu ton build. L'arbre de classe est assez sympa, mais je suis déçu que sur l'arbre de classe, ce soit trop de la puissance, puissance, puissance dans tous les cas. Alors que le paladin, l'essence du paladin, c'est l'utilitaire en fait. Et il y a beaucoup de points là-dedans qui sont juste des augmentations de puissance strictes. Et ça, j'aimerais bien qu'ils calment un peu le truc dessus, qu'ils les mettent peut-être vers la fin ou j'en sais rien, et qu'ils renforcent un peu plus l'utilitaire du paladin au niveau de l'arbre de classe. Mais les arbres de talent qu'on a vus, protection et vindicte, sont vraiment cool. Ils ont leurs défauts, hein. Il y a les problèmes d'interaction avec certaines mécaniques, notamment avec la consécration et avec le bouclier du vengeur pour le protection. Mais je pense qu'on est sur un point de départ là qui est quand même très prometteur en tout cas.